Quelle joie. Quel bonheur de vous retrouver ici, aujourd'hui en coque. Dans cette zone économique spéciale, qui est le symbole de la transformation réussie de notre économie gabonaise, de sa montée en puissance, de son attractivité. Nkok, ce sont 144 entreprises. 144 entreprises qui opèrent actuellement dans 70 secteurs industriels. Nkok, c'est le Gabon qui gagne. Grâce à vous. Grâce à vous. Grâce à vous. Me retrouver ici, entouré de Gabonaises et de Gabonais qui travaillent sur ce lieu chaque jour, qui sont les acteurs efficaces et les témoins quotidiens de ce que notre pays peut faire, me conforte dans ma détermination, dans mon ambition. Celle d'intensifier de telles initiatives pour faire du Gabon un grand pays. Oui, un grand pays. On peut me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. Vous le savez, vous me connaissez. Impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Jamais, jamais. Souvenez-vous, quand j'ai décidé d'arrêter l'exportation des grumes, que de critiques sur cette décision. Est-ce qu'ils ne me disaient pas que cela ne s'était jamais fait? Que ce serait impossible? Oui, ils l'ont dit. Mais est-ce que nous l'avons fait? Nous l'avons fait. Bon. Ben oui, nous l'avons fait. Et nous l'avons fait avec vous. Je l'ai fait avec vous, pour vous. Aujourd'hui, cette décision est partout saluée. En Afrique, comme ailleurs, grâce à cette décision, une industrie du bois a émergé. Des milliers d'emplois ont été créés. De cela, j'en suis fier. Nous pouvons en être tous fiers. Ce que nous avons fait avec le bois, ce que nous avons fait ici en coque, et dans d'autres domaines, tels que l'égalité homme-femme, l'environnement, le climat, nous pouvons encore le faire avec autant, sinon plus de réussite sur tous les sujets. À ceux-là qui continuent de penser que c'est impossible, je dis, impossible n'a jamais été et ne sera jamais gabonais. Notre avenir est là, devant nous, et il se construit. Et chaque jour, avec des Gabonaises et des Gabonais qui travaillent pour leur pays. Mes chers compatriotes, j'ai une conviction personnelle forte. Nos plus beaux exploits, nous pouvons les réitérer. Pour les sujets qui, pour vous comme pour moi, pour notre pays, sont des priorités. En nous battant ensemble pour l'emploi qui donne un sens à la vie, pour faire baisser le coût de la vie, pour que le quotidien soit plus doux pour soi, mais aussi pour sa famille, pour une meilleure éducation, une meilleure formation pour nos enfants, pour une égalité d'accès aux soins, à la santé, partout dans le Gabon, pour plus de sécurité pour toutes et pour tous, partout. Et en un mot,
en homme en remportant la bataille de la vie. Mais cela, ce n'est pas imaginable. Ce n'est pas faisable avec ceux qui pensent que le changement est impossible. Ceux qui ne croient pas au changement, ceux qui ne croient pas en vous pour impulser, réaliser, transformer. Qui viennent donc vous dire, à vous tous ici, aujourd'hui, à vous qui travaillez tous les jours ici, que le changement n'a pas eu lieu, qu'un coq n'existe pas, que notre beau pays ne prend pas la bonne direction, que notre pays ne grandit pas. Que ceux qui disent que le Gabon ne change pas, que ceux qui ne souhaitent pas, qui souhaitent de toute leur force que le Gabon ne change pas, qu'ils m'entendent bien. Qu'ils m'entendent bien. Nous allons et nous pouvons faire du Gabon un grand pays, un meilleur pays, un pays où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. C'est mon ambition, une ambition qui n'a jamais cessé de m'animer et qui continue plus que jamais de m'animer, de me guider chaque jour. Et nous allons continuer de le concrétiser, de la concrétiser avec toutes celles et tous ceux qui croient comme moi en leur pays, en ces hommes et en ces femmes. Avec toutes celles et tous ceux qui ont le courage de rêver plus loin pour le Gabon. Avec toutes celles et tous ceux qui ont un projet, une vision pour que notre pays brille. Mes très chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, vous continuez d'écrire cette histoire et ce futur ensemble parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat. Candidat pour poursuivre le travail. Candidat pour amener le Gabon plus loin, beaucoup plus loin. Candidat pour gagner la bataille économique. Candidat pour gagner la bataille du travail. Candidat pour gagner la bataille du changement. Je sais que... Je sais qu'ensemble, ensemble, tous ensemble, unis par la volonté de Dieu, nous gagnerons.